Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour la suite de notre mode arène dans The Elder Scrolls Legend. Et c'est Mesdames et reparti. messieurs, nous avons un challenger. On était à 2 victoires, 0 défaites. Et ça, c'est plutôt cool. Jusque-là, en tout cas. Les choses pourraient très bien dégénérer très très vite. Bon, j'espère que ça va pas mettre 15 ans pour trouver quelqu'un, mais ce serait étonnant parce que le jeu nous permet quand même de trouver des gens assez rapidement. Êtes-vous prêt pour un véritable bain de sang? Ah! On joue la même chose. Et cette fois, je suis second. C'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux du tout. J'ai toujours un poignard dans ma botte. Bonjour à vous. Là, je peux rien faire. Elle est super bien cette carte, hein. 2-1 pour 1, plus la pioche. Elle est d'ailleurs un peu trop puissante, je trouve. Il y a pas mal de cartes qui mériteraient de nouveau un équilibrage, bien sûr. Votre fin est proche. Surprise. Donc le coup classique, hein. Le mob explosif que tu transformes en deux autres mobs. Essayez donc. C'est quoi ce truc? Piocher une action. Choisis aléatoirement. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas l'attaquer sinon je meurs. C'est moi qui commande ici. On va mettre une petite protection qui régénère. Donc là, soit il m'attaque avec ses deux créatures et il fait rien l'autre de ce tour. Soit il ne le tue pas, ou soit il se booste le cul aussi, ça marche. Ah merde, il a réussi à piocher son truc enflammé, il peut le jouer et il va le jouer, bien entendu. Ah, c'est chiant ça, c'est chiant. Alors, plus 2, plus 0 tant qu'il n'y a aucune créature dans la rangée, c'est très bien. Nous amènerons le combat jusqu'à eux. Comme vous, j'aimais l'aventure. Donc là, on lui cale 2 points de vie tranquille. Un petit suicide. J'ai pas des cartes encore une fois très énormes là pour l'instant. J'ai eu un combo sympathique au début, mais c'est tout. Là, c'est un petit peu mou. Après, c'est tout aussi le défi de ces arènes qui te demandent de faire un deck avec des cartes qu'on te propose, quoi. On peut pas choisir exactement ce qu'on veut. Déjà, je suis assez chanceux d'être tombé sur la combinaison que je préfère, c'est-à-dire le sorcier. Oh putain, il a encore réussi à piocher un sort, t'es sérieux? Ça devient pénible. Ça devient très très pénible. On s'y met? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Je vous tiens. Bah tiens, ça c'est la bonne nouvelle. Bah écoute, tu vas venir. Ouais, que tu la vas mort venir là. Saisisse tous.
Et puis elle, elle va arrêter de faire des trucs bizarres. Voilà, calmer. Alors, bah là on a l'embarras du choix. Comme vous, j'aimais l'aventure. On va tuer sa créa de merde. Meurs, misérable chien. Voilà. Ne me testez pas, canaille. On va tuer ça. On va tuer ça, ce sera fait. Vas-y, pioche si ça te fait plaisir. Et voilà. Je suis pas super bien là. Ouh, c'est quoi ça? J'ai pas eu le temps de voir. Oh putain, sérieux? C'est une vaste blague? Comme au crépuscule, je me déplace comme une ombre. Ouais, bah c'est tendu là, pour le coup. Le fait qu'il pioche un nécromancien qui invoque une autre créa, c'est vraiment la galère. Il y en a d'autres. Craignez-vous la mort ? Ouch. Ouais, c'est fini. Bon bah ça c'est fait, ça a été rapide hein. Là il suffit de, ouais, il suffit d'une bonne pioche au niveau des créas parfois et c'est le drame. C'est le drame en face. Deux victoires, une défaite. A été vaincu. Mais il n'abandonne pas pour autant. Bon, je ferai peut-être une petite ellipse hein, entre le temps de trouver un nouvel adversaire. Ah non, peut-être pas. Vous divertir en faisant couler le sang. Ah bah voilà. Votre fin est proche. Pour une fois que j'ai des cartes que je peux jouer dès le début. J'ai toujours un poignard dans ma poche. Courez, étranger. Donc là, il peut pas m'attaquer parce que j'ai couverture. Alors. Comme vous, j'aimais l'aventure. Ici, on met une petite protection. Essayez donc. Est-ce que ça m'embêterait de mourir en coup fatal ou de mourir tout court d'ailleurs? Ça, c'est pas ennuyeux du tout, ça. Donne garde. Bah, sur toi. Hein. Je préfère autant. Si on va mettre un drone. Essayez donc. L'attaquer ça sert à rien du tout, autant que je reste comme ça pour l'instant.
Sortez ma lame. Ouch. Ouais, ça c'est bien dommage. Ma magie et mon armure. Une petite sorcière à 5-1 protection, ça peut être sympa. Je pourrais tuer au moins une des créas. Putain. Affrontez ma lame. C'est la première fois que je vois un jeu goré. Ah, c'est quoi? Quand une créature étrangère est détruite, il gagne +1/+1. Oh, c'est cool ça. C'est moi qui commande ici. C'est très très cool. N'approchez plus. Cette fois, on est tombé sur un adversaire qui jouait vite, ça fait plaisir. Ils ne trouveront rien ici. Que de la douleur. Puissant sur l'eau. T'as décidément. Alors. +1/+1 et soigné. Oh, vraiment? N'approchez plus. Battez en retraite ou mourrez. Ce qui devrait me permettre de tuer le drogue, hein, c'est pour ça que je lui ai boosté le cul. Je garde la reste, ça j'attaque bien sûr avec. Voilà. Ah, je vais prendre cher. Je vais prendre super cher, je vais prendre 13 PV dans ma gueule. Mais bon, c'est comme ça. Il m'a transformé en momie. Sérieusement? Que cette journée soit prometteuse. C'est bien. Venge et destruction. Très très bien. Que la mort nous saisisse tous. Ouais, toi t'es chiant. Moloch, dites-moi. +1/+1 coup fatal. Ouais, bah c'est pas glorieux. Un drogue. 4, 5, 6. Ouais, si je fais rien, il me bute. Si je fais rien, il me bute. En même temps, je peux pas attaquer sa créa. Ce qui fait que je suis mort, en fait. Tout simplement. Je ne peux rien faire du tout pour éviter ça, parce qu'il va m'attaquer ici et ici. C'est fini. Allez. C'est la capitulation. Ce combat est terminé. Bon. Ce jeu est dur. Hein. 2 victoires, 2 défaites. On a le temps dans cet épisode d'en faire un petit dernier. De se jeter dans l'arène. Je pense. Promet d'être intéressant. C'est la mode cette agilité endurance aujourd'hui. Ah là là. Par la barbe d'Arquet, j'aurai la victoire.
Je l'empêche de me tuer en une attaque. Même s'il peut pas m'attaquer ce tour-là, il pourra le tour prochain. Nous dansons dans les flammes, misérable. Ça fait quoi ce machin? À la fin de votre tour, une autre créature alliée choisie gagne 1-1. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est super chiant, ouais. C'est vraiment très très chiant. Ouais, c'est méga chiant. Rien faire. Ici, je peux faire ça, ouais. Toujours ça de prix. Ouais, il va gagner. Ça va devenir un 3-3. Mais m'attaquer le tuerait de toute façon. Et je ne vois pas sacrifier sa créature qui donne des boosts. Ce qui fait qu'il va probablement attaquer moi directement. Ou tuer mes créas avec des sorts, hein, c'est possible aussi. Ah tiens, je te connais toi. Sans équipe. Ouais, c'était prévisible qu'il fasse ça. Oh! Ça c'est plutôt cool, dites-moi. 0 plus 3 et piocher une carte. Surprise. Ah, une carte prophétie et merde. La bourse. Ou la vie. Fait chier. Fait vraiment chier. Dégagez. Ok. Un 4-6. Ça pour piocher une carte, bah, c'est parfait. Votre fin est proche. On a du matériel, de quoi le tuer. Pas ce tour-là, mais on pourra le tuer. Ça c'est vraiment vraiment bien, par contre il faut que je puisse la poser, parce que 7 on n'est pas encore tout à fait arrivé. Donc là il m'a tué la créature qui retourne dans mon deck, donc c'est pas dramatique. Oh putain. Les mammouths quoi. J'ai toujours un poignard dans ma botte. Votre heure est venue. D'accord, donc j'ai eu ça. Oui, ok. Bah c'est tout. Il suicide. Là il met une tarte. Et tiens, j'ai encore un mec comme ça, c'est parfait. Avec un peu de chance, il va finir par le tuer. Ils ne trouveront rien ici, que de la douleur. Ah, le retour du mec à zéro, excellent. Alors là on va jouer elle, très clairement.
Et donc là, c'est quand vous invoquez une créature dont le coût est inférieur ou égal à 2, invoquez une copie. Bah écoute. Bien essayé. Recommencez pour voir. Bien essayé. Recommencez pour voir. Eh oui. Et oui, et oui. C'est pas dégueu du tout. Essayez donc. Bah là, je vais lui mettre un coup. Aïe. Tiens, ça c'est cool. Comme ça, il aura plus vraiment garde. Que la mort nous saisisse tous. C'est toujours ça de prix. Mais j'ai plus que 11 points de dégâts, j'ai intérêt à faire un sacré ménage si je veux pouvoir l'emporter ici. Aïe. Bon, est-ce que j'ai des gens avec garde, moi? Bah pas vraiment en fait. Parce qu'il me reste 7 PV là. Je peux pas l'attaquer. J'ai rien qu'à garde. Donc là on est mal, de nouveau. On va jouer ça puis essayer de piocher. Protection, c'est pas du tout ce que je veux. Ok, bah on est dead. On est mort de nouveau parce que on peut pas se protéger face à ça, parce qu'on n'a pas eu de créature avec garde, donc tout ça, putain, c'est vraiment triste. Ah ça c'est pareil, hein, c'est cool, hein, je peux en invoquer plein. Mais je peux pas tuer mes propres créas. Un combat qui restera dans les annales. Ouais, c'est méga triste. Un combat qui restera dans les annales. Ouais, c'est ça ta gueule. Bon bah c'est fini. Un combat qui restera dans les annales. Bon, belle journée, 3 défaites. J'ai gagné un titre. Le maître des lames, waouh. Ça fait plaisir. Donc nous avons 2 victoires. J'ai donc gagné une carte blanche, j'imagine. Parce que j'ai quand même une récompense avec 2 wins. Un combat magnifique. Sans aller jusque là. Oh. Ça sert à invoquer des cartes que vous avez déjà. C'est cool. Un deck. Et une carte, un jeune mammouth avec percée. Ouais. Allez, avec un peu de bol, on peut avoir des cartes sympas. Javelot perçant. Ouais. J'ai déjà 15 000 fois. Élixir du défenseur. Ouais. Ah putain. Merci le deck. Bon. Enfin voilà, comment se termine notre arène. Puis j'imagine que c'est aussi là-dessus que se termine ma petite série sur ce jeu. Dites-moi si vous voulez que je refasse d'autres petites... De petites aventures sur The Elder Scrolls Legends. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.